Alors, ce matin, sur l'ardoise, en maths, on va commencer par faire une petite révision des maisons des nombres, c'est-à-dire je fais des petites additions et tu dois répondre le plus vite possible sur ton ardoise. Je vais aller très vite. Donc, je vais surtout travailler avec la maison de 8, la maison de 9, la maison de 10. D'accord ? Donc, par exemple, si... Là, c'est un essai, hein. Si je dis 2 plus 7, tu dois très vite écrire 9. D'accord ? Si tu ajustes, c'est-à-dire si tu es comme moi, en même temps que moi, parce que là c'est un exercice de rapidité, pas le droit de faire pause, tu mets un petit bâton. Si tu n'as pas comme moi, tu mets un petit zéro. D'accord ? Alors, on y va. Tu es prêt, tu es prête. Il y a 10 résultats à écrire. Je rappelle qu'on est super rapide. Donc, ardoise, feutre. Le premier, tu écris la réponse. Mon assistant, merci. Mais c'est toujours les mêmes. J'en ai pas. 1, 2, 3. 5 plus 3 égale, on montre, 8, on efface. 7 plus 2 égale, on montre, 9, on efface. 8 plus 2 égale, on montre, 10. On efface. 6 plus 4 égale 10. Et moi, je ne l'ai pas effacé, je le savais. On efface. Le suivant, 2 plus 5. On écrit. On montre. Ça fait combien, oui, Stiti? Ça fait 7. Très bien. On efface. Le suivant. 3 plus 6 égale 9. On efface. 7 plus 3 égale, on écrit, 10. On efface. 2 plus 6 égale 8. On efface. 4 plus 5 égale, on écrit, 4 plus 5 égale 9. Et le dernier. Ouais, le dernier. Tu écris à ma place. 3 plus 6 égale, oh, c'est bien, Wistiti. 9 encore. Tu vois, c'était... Bravo, Wistiti. Alors, je ne sais pas si tu as pensé ou pas à mettre les petits bâtons en haut, comme ça, si tu avais réussi ou pas. Bon, si tu as pensé, c'est très bien. Si tu n'y as pas pensé, ce n'est pas grave. Sinon, tu peux compter ton score sur 10. Voilà.
Bon, Wistiti, t'as vu, regarde. Hé, Wistiti, regarde. Ouais, ton tableau, t'as retourné les étiquettes. Oui. Pourquoi t'as retourné les étiquettes? Parce que je voudrais un petit peu expliquer des choses. Alors, dans le tableau des nombres, je vais t'expliquer quelque chose. Ça va être un petit peu long, peut-être. Tu vois, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est la première suite de nombres. Je vais leur mettre une petite marque de jeu en jaune. Tu vois, je vais leur mettre une petite marque en jaune, cet étage-là. Et quand on continue cette suite, après 9, on ne reprend pas le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, etc. On continue avec des nouveaux nombres, donc je continue avec des étiquettes jaunes, parce que ce sont des nouveaux mots nombres. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc en fait ici on a une suite qui fait 20 nombres si on compte le 0. 20 nombres, même si 10, 7 reprend le 7, 18 reprend le 8 et 19 reprend le 9. D'accord ? À cette différence, quand on passe à la famille de 20, arrête de m'embêter, Wistiti, eh bien, on va aller jusqu'à 29. Et on ne va pas dire 20, 11, 20, 12, 20. Donc là, on va avoir une famille qui ne fonctionne qu'avec 10 mots. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29. La famille de 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, elle fonctionne avec 10 mots. Il n'y a pas de 30, 11, 30, 12, 30, 13, 30, 14, 30, 15, 30, 16, etc. Donc, je les mettrai, parce que ça va être trop long que je le fasse maintenant, en direct, donc je vais mettre des petites étiquettes bleues sur cette famille parce qu'elle fonctionne qu'avec les mots jusqu'à 9. La famille de 40, comment est-ce qu'elle fonctionne? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Il n'y a pas de 41, 42, 43, etc. Donc c'est pareil, elle fonctionne avec 10 mots. La famille de 50, elle fonctionne 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Il n'y a pas de 51, 52, 53. Donc elle fonctionne avec 10 mots. Je mettrai des étiquettes bleues. Par contre, on a vu que la famille de 60 et la famille de 70, elles commencent par le même mot, 60, 70. C'est-à-dire que là, on va retrouver ce qu'on avait au début, une série de 20 mots. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Et là, tu vois, on continue avec ces mots-là. 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Allez. Si j'ai le temps, je mets les petites bleues. Est-ce que j'ai le temps? Je m'en rends pas compte. Donc on voit la différence qu'il y a entre les deux premiers étages qui fonctionnent avec 20 mots, les autres étages qui fonctionnent avec 10 mots, et à partir de 60, on refonctionne avec 20 mots. C'est pour ça que d'ailleurs, on avait fait une pause, on s'était arrêté là. À un moment donné, on s'était arrêté à 59, 60, et là, on a fait une pause pour bien comprendre que on avait un changement de fonctionnement. Oh là là, je vais pas filmer. J'ai même pas d'aide de mes marionnettes, je comprends pas où ils sont. Tu m'aides pas beaucoup, Estiti. C'est un peu trop compliqué pour moi. J'arrive pas. Allez, plus que combien d'étiquettes là? J'ai presque fini. Et on aura un tableau bicolore. Évidemment, il nous reste des nombres à apprendre encore en dessous. Voilà, je redis ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Les étages jaunes, là, ils fonctionnent avec 20 mots. Les étages bleus, ils fonctionnent avec 10 mots. Et ici, donc 60-61, on a les 10 premiers mots, 69. Mais au lieu de recommencer avec 1, 2, 3, 4, 5, et ben non, on continue avec cela, 70, 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Donc les 60, ils fonctionnent avec 20 mots. Bon, bah, je vais laisser comme ça. Voilà, on peut arrêter la vidéo. Ciao!